Et donc en plus de tout ça, il nous offre aussi une chronique ce soir. Ouais. Il va parler de politique, je crois. J'avais envie d'écrire un petit truc parce que je suis fatigué. J'en peux plus, tu sais, des débats là sur les réseaux sociaux façon comptoir de PMU de Champigny-sur-Marne. Je te jure, j'ai l'impression d'être dans une cour de récré et d'assister à l'élection des délégués de classe. Ça tombe bien, on vient d'avoir les résultats. Alors d'abord, il y a ceux qui avaient perdu d'avance. Hein, Jean Lassalle. Ouais. Alors lui, c'est le plus grand de la classe. Il comprend rien aux exercices, il a redoublé 4 fois et il souffre de dyslexie. Lui, au goûter, c'est pas Ben, Pompote, mais Terrine Calva. Ensuite t'as Poutou. Alors Poutou, lui c'est le petit rigolo de la classe hein. Mais personne veut s'asseoir à côté de lui parce qu'il pue. C'est quand même le seul le jour de la kermesse qui vient habillé en pyjama. À l'opposé t'as Fillon. Alors lui il sent persécuté hein. Il joue les victimes alors qu'on sait très bien qu'il a volé des goûters en cachette. Et en plus il se les raconte toujours parce qu'il a toujours des nouveaux polos que soi-disant on lui offre. Après t'as Mélenchon. Mélenchon, alors lui c'est le rebelle du fond de la classe hein, qui veut toujours monter les élèves contre la prof. Il est intelligent mais très dissipé hein. C'est le mec qui a toujours 18 sur 20 mais qui révise jamais parce que pour lui apprendre par cœur c'est cautionner le système scolaire. Ah, et puis j'allais oublier aussi, il y a le petit Hamon hein. Alors lui c'est le petit timide hein, qui se fait racketter à la sortie de l'école. Oh, alors que c'est con hein, c'est le seul qui était prêt à partager son goûter. Mais on lui a dit que c'était pas possible de partager un Oreo en 23 hein. Surtout quand tu passes après Marine qui lèche tout le blanc pour laisser que le noir. Oh. D'ailleurs Marine, elle s'est qualifiée au second tour hein, malgré ses pratiques douteuses. Elle dénonce sans preuve ceux qui trichent alors que c'est la première à sortir des antisèches. Et puis c'est la seule qui veut abolir les images pour revenir aux gommettes. Pourtant, tout le monde lui dit que les images c'est mieux hein, parce qu'on peut les échanger avec d'autres écoles. Mais elle s'en fout, elle dit comme ça les gommettes tu les gardes que pour toi. Et puis face à elle il y a Macron. Alors lui c'est le faillot hein. Lui toujours d'accord avec tout le monde, c'est le plus populaire parce que c'est le beau gosse de service tiens. Apparemment il aurait déjà sauté 2 classes et la prof de français. Hein, il fait des jolies phrases mais au final ça sonne creux hein. En tout cas pour quelqu'un qui manque de plumes il fait très bien le pan. Et puis tu sais, lui c'est le seul le jour de son anniversaire hein, qui invite tous ses copains à le fêter à l'hippopotamus. Bon, plus sérieusement, pour résumer ce premier tour, on a eu le droit au mauvais perdant hein, celui qui voulait pas commenter les résultats tant qu'ils n'étaient pas validés par le ministère de l'Intérieur, l'ONU et la NASA. Fillon qui a été digne dans la défaite hein, mais pour lui ça sent la retraite hein. Même Giscard avait plus d'avenir politique que lui. Hamon. C'est la preuve que les primaires c'est bien pour décoller hein, mais si t'as pas ton brevet de pilotage tu te craches avant les 2 tours. Lassalle, il a fait 1,2%. C'est le pourcentage de De Gaulle qu'il a en lui. Tout le reste c'est du président de Groland. Poutou, alors lui c'est le Coluche inversé hein. Après la politique il peut envisager une carrière sur scène. Donc pour le second tour, on aura le choix entre 2 belles histoires en fait hein. D'un côté une histoire de famille avec la réussite de la PME Le Pen hein. L'emballage a changé mais la saveur reste la même. Et de l'autre une belle histoire d'amour entre un gigolo et sa muse ouais, car finalement leur différence d'âge on s'en tamponne hein. Et entre eux c'est pour always. Alors je ne donnerai aucune consigne de vote hein. Je dirai seulement une dernière chose. Je ne crois pas à la vie après la mort, mais si Le Pen passe, j'irai quand même voter aux législatives. Bravo. Bravo. Bravo Thomas. C'était le petit prince. On lâche les fauves. Le grand n'importe quoi, en direct sur Radio VL.